Et voilà, c'est parti! Deuxième départ, mais ce coup c'est le bon. Voilà, alors il y a de la lumière, il y a du son. Normalement, tout fonctionne. Le chien est en place. J'ai retrouver la forme. Alors, pour tous les petits messages d'encouragement, c'était super mignon, vous étiez super inquiet. J'avais juste un gros, gros coup de fatigue. Ça faisait six mois que j'avais recommencé mon nouveau boulot, donc l'air de rien. Au début, c'est l'adrénaline parce qu'on est tout excité et puis il y a un moment où, à force de donner, 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 ben, <laughs> on s'effondre un peu. Surtout à la fin de l'hiver, après un an de coronavirus, euh, les pollens qui s'y mettent, du coup, euh, voilà, j'étais un petit peu down, donc euh, j'avais surtout besoin de me reposer et de dormir, mais un tout, tout grand merci et plein de bisous pour vos adorables messages. Voilà, alors on est reparti, on continue notre petite séance de bas en haut. On avait terminé au niveau du bassin, et eh bien on va continuer à partir du bassin et remonter progressivement le reste du corps. Alors, encore un petit conseil, aucun exercice ne doit générer de douleur. Donc respectez vos limites, si ça fait mal... C'est peut-être que vous ne faites pas bien l'exercice ou que vous dépassez un petit peu vos limites ou qu'il y a quelque chose qui coince et ça vaut la peine de le signaler à votre médecin que quand vous faites tel ou tel type de mouvement, c'est douloureux. D'accord Autre petit détail, n'oubliez pas de vous hydrater. On boit beaucoup d'eau, surtout maintenant que la belle saison revient. Donc voilà. J'espère que vous êtes en pleine forme. On démarre. Pieds légèrement écartés, à peu près la largeur de vos épaules. Et on inspire profondément par le nez. Et on souffle par la bouche. Inspirez. Et soufflez. On n'oublie pas de rentrer le ventre, encore une fois. Et soufflez. Alors, ici, il fait un petit peu froid en Belgique. Il a fait super beau cette semaine, plus de 20 degrés. On a pu manger dehors et tout. Mais là, aujourd'hui, en une fois, foup, chute de température. Donc, personnellement, je suis un petit peu gelée. Donc, j'ai besoin de bouger un peu de cardio pour me réchauffer au début. On monte les genoux. Alors, l'air de rien, le fait de bien monter vos genoux, même si vous n'allez pas très vite, vous activez déjà votre bassin. Impeccable. Alors, je vais avancer un peu pour pas. Cogner le nez de Django, ce serait dommage. Ok, je lève une jambe à droite et à gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Et 1, 2, 3. Tenez-vous droit, rentrez le bidou, respirez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre les bras sur le côté, comme ça on travaille en plus les bras. 6, 7, 8, 9, 20, allez encore 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, très bien, inspirez et soufflez, impeccable, les mains posé sur les hanches, on pousse le bassin au maximum à gauche, mes deux jambes restent tendues, les pieds ne bougent pas et je pousse mon bassin à droite. Deux petits temps à gauche, deux petits temps à droite et un, deux, en douceur, hein, c'est l'échauffement, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9 et 10. Très bien. Là-haut, on tourne le bassin. On tourne tout le temps dans le même sens. 10 fois. 3, 4. Prenez votre temps, mais travaillez avec autant d'amplitude que vous êtes capable. Vous, pas le voisin, vous. 5, 6, 7, vous vous bougez, vous pouvez être fier de vous. 8, 9 et 10, on t'arrête derrière et hop le popotin qui repart dans l'autre sens. 1, respirez, 2, 3, essayez d'être décontracté en faisant ça. 4, 5, 6, 7. 8 9 et 10 très bien les bras sur le côté vos pieds en ouverture bien en dehors et les pieds qui reviennent à l'intérieur au maximum en dedans écartés en dehors en dedans écartés en dedans 3 et Quatre et cinq et six et pas besoin de vous dire jusqu'où ça bosse hein et huit et neuf et dix et les pieds droits très bien alors vous pouvez vous aider de votre chaise si nécessaire pour tenir en équilibre Voilà. Si nécessaire, vous vous donnez à votre chaise, l'autre bras sur le côté, et on va tourner avec le genou. Donc le genou monte en dedans, devant le genou droit. On ouvre au maximum jusque derrière et on revient. Deux, des grands tours avec le genou, le plus loin possible, posé. Trois, et le bras libre sur le côté, posé. Quatre, Posez. 5. Allez, grande ouverture de la hanche. 6. Jusque derrière. Posez. 7. Tenez-vous droit. Rentrez le ventre. Allongez la tête vers le plafond. 8. 9. Allez, on essaye de tourner le plus loin possible avec la jambe et 10 très bien l'autre jambe et je croise devant je fais un grand tour le plus loin possible en arrière et je reviens 2 3 agrandissez-vous 4 5 6, n'oubliez pas de respirer. 7, 8, 9 et 10. Très bien, cette fois en dedans, je vais plier la jambe droite, donc celle qui est le plus éloignée de mon support. Tirez mon genou vers l'arrière. Je me mets de profil pour que vous voyez. Donc là, ma jambe est pliée. Je tire mon genou en arrière. Je ramène ma jambe sur le côté. Jusqu'en avant, croiser et revenir à ma position initiale. Plier, tirez le genou en arrière. Côté, devant, croiser. Ramener. Deux. Et. Tenez-vous bien droit, respirez, rentrez le ventre. Quatre. Cinq. Allez. Six, on respire, on s'agrandit. Sept. Huit. Neuf. Très bien, l'autre jambe, on plie, on tire le genou en arrière et on fait le grand tour et on revient. Deux et trois et quatre et ça croque un petit peu. Cinq.

Très très bien. Ok, balancez un petit peu le bassin de gauche et de droite. Gauche, droite, gauche, droite. Allez, on remue le popotin, on remue les hanches. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Inspirez. On s'agrandit, on rentre le ventre, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Inspirez essouffler Inspirez. Essouffler Très bien. Je vous propose de boire un petit coup. Ah, on s'hydrate. Hum. Fais soif par les temps qui courent. Ok. Voilà. Alors, on se souvient de mon petit exercice que j'appelle Donald. Je pose les pulpes des doigts autour des oreilles sur mon crâne. Mes pieds sont écartés à peu près la largeur de mes épaules. Je me tiens bien droite, pieds bien parallèles, les coudes ouverts au maximum. J'ouvre toute ma cage thoracique. Je Pousse mes f... le bas de mes fesses whoop, le plus haut possible. Donc je creuse un petit peu le dos. Tête bien droite. Genoux légèrement fléchi. Je rentre le nombril. Je bascule le bassin. Les fesses s'effacent par en dessous. Et je ramène mes coudes ensemble devant. Ma tête est légèrement penchée vers l'avant. J'ouvre. Ça, c'est la position Donald Duck, je trouve. Et je referme. Trois. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Refermé. Impeccable. Inspiré. Essoufflé. Très bien. L'exercice suivant, vous pouvez soit placer la chaise devant vous, l'assise le plus près de vous et le dossier le plus éloigné. Comme ça, si vous avez peur de perdre l'équilibre, vous n'hésitez pas. Vous vous tenez. On met les pieds bien écartés, au maximum. Fléchir les genoux. Essayez que vos fesses soient le plus bas possible. Si là vous êtes déjà à l'effort, nickel, vous restez. Si vous savez descendre avec les cuisses jusqu'à l'horizontale, champion. Mais pas de complexe. On fait du mieux qu'on peut, on est champion par rapport à soi-même. OK Paume des mains l'une contre l'autre. On est bien en ouverture. Hein Là, on travaille vraiment l'ouverture du bassin. On pousse un petit peu ses genoux vers l'extérieur pour solliciter l'ouverture du bassin. Paume des mains ensemble, les doigts dans un sens, les doigts de l'autre main dans l'autre sens, et on presse tout en restant en position, en ouverture maximum, en poussant ses genoux vers l'extérieur. 1. tenez-vous droit. 2, rentrez le bidou. 3, respirez. 4, 5. Alors, un petit truc le matin, si vous vous brossez les enfin, quand vous vous brossez les dents, pas si, quand vous vous brossez les dents, cette position-là, vous êtes juste à la bonne hauteur sur l'évier. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on ramène à son aise. Oups! Position confortable, inspirer. Et on remet ça. Foupla Écarter les pieds au maximum. Pieds en dehors, fléchir les genoux. Corps droit, tête droite, ventre rentré. Respiration régulière. Et on monte le, la pointe des pieds à gauche, à droite, tout en pressant les mains. Un, deux, trois. Bien haut. 4 5 chevilles solides hein, 6 bien en dehors les genoux 7 8 9 et 10 très bien si vous vous tenez très bien si vous ne vous tenez pas encore mieux on essaye de monter les deux pieds et de revenir décoller les talons du sol et revenir 3 4 5 si c'est déjà dur de tenir pied plat, c'est pas grave, tenez pieds plat, c'est déjà formidable. 8, 9 et 10, très bien, ramenez les pieds ensemble, tchoup, inspirez et soufflez, les bras reviennent sur le côté, on se laisse descendre en avant tout doucement, et on plie le bassin. On se plie en deux, on laisse bien pendre les bras. Mes pieds sont écartés de plus ou moins 10 cm, mais bien parallèles. Jambes tendues. Laissez-vous pendre. Laissez pendre les bras. Laissez pendre la tête. La nuque est relâchée. Attention, on rentre le bidou quand même. Hein et on déroule doucement en pliant les genoux et en posant les mains au-dessus des genoux. On revient droit. Inspirez. Soufflez, laissez descendre les bras. Penchez-vous en avant. Les jambes restent tendues, les bras descendent jusqu'au sol et on reste le ventre rentré, tout le reste qui pend. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Pliez les genoux, posez les mains sur les genoux, déroulez doucement le corps. Inspirez. Soufflez, bras qui redescendent. Et mêmes choses, on se laisse plonger vers l'avant. On plie bien son bassin. Centre de toutes nos attentions aujourd'hui, laissez-vous bien pendre, rentrez le ventre et laissez pendre le reste. 1. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pliez les genoux, posez les mains sur les genoux et déroulez en douceur. Inspirez et soufflez. Parfait. Alors, on continue encore un petit peu le bassin. C'est fou la, le, la quantité de choses qu'on peut faire pour le bassin. Ok, je monte ma jambe sur le côté. Jambe fléchie, j'attrape mon genou et je tire ma jambe près de moi. Vous voyez, mon corps reste bien droit. Ma jambe de base reste droite aussi. Je tire dix fois en douceur. Deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9 et 10. Très bien, laissez descendre la jambe et l'autre jambe. J'attrape le genou, enfin le en dessous du genou, et je tire vers moi. 2, tenez-vous droit, n'oubliez pas de respirer. 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Très bien, posez le pied au sol. Deux pieds parallèles, à peu près la largeur de mes épaules. Voilà, comme ça vous voyez mes pieds. Vous serrez les poings. Vous posez vos poings dans, votre, dans le bas du dos, juste dans le haut du bassin. Là vous sentez juste une bonne zone naturellement où vos poings peuvent se poser. Alors, on monte un petit peu, on, est, on quitte la zone des hanches et on arrive dans la zone taille et bas du dos. Je vais pousser avec mes poings mon bassin vers l'avant. Donc, je suis en extension, pas vraiment cambrure, vraiment extension. Vous voyez, là, je me tiens à droite et je pousse avec mes poings en avant. Je reste 1, 2, doucement, 1, hein, 3. 4, soyez gentils avec votre corps. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez bien droit. Inspirez en s'étirant au plafond. Touche le biais gagnant. Allez, on l'attrape, on l'attrape. C'est le vaccin qui est pendu au plafond. Youpi! <laughs> oui, n'importe quoi. On devient complètement fou hein, cette année, oui. Ok, ramenez les bras, fermez les poings, point dans le dos et on pousse légèrement vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10, ramenez le corps droit, montez les bras au plafond. Allongez-vous, attrapez le vaccin ou le biais gagnant du loto à votre guise. Au plafond. 1, deux, trois. Rentrez le bidou, respirez. Quatre. Et ramenez les bras sur le côté. Allez, troisième fois, point serré. On pousse doucement le dos vers l'avant. 1, deux, trois. 4, 5, 6, 7, restez, 8, 9, 10. Ramenez bien droit, bras au plafond et on attrape ce qu'on veut au plafond, ce que vous convoitez. 1, 2, 3, et quatre ramener très très bien. OK, on bouge un petit peu le bassin, deux trois ou là hop dans un sens, dans l'autre sens, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, devant, derrière, hop, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. OK, ça va mieux Très bien. Inspirez. Et soufflez. OK, on continue de monter. Alors au-dessus du bassin, il y a quoi ah, bah ben oui, la sangle abdominale. Alors, rien de tel pour la sangle abdominale qu'une petite parquette. Vous vous asseyez sur votre chaise, perpendiculairement à votre dossier, bras tendu devant. On monte sur pointe des pieds. Les pieds sont bien à l'aplomb des genoux, donc bien pile en dessous des genoux. On arrondit le dos. Et on part en oblique en arrière comme si on voulait se coucher. Et là où on sent que ça travaille bien au niveau des abdos, on reste. 1, 2, n'oubliez pas de respirer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Inspirez. On monte bien haut. Soufflez, écartez bien les genoux au maximum et laissez-vous descendre en avant. Vous sentez comme ça travaille dans le bas du dos quand vous descendez. Écartez bien vos genoux pour continuer à travailler votre bassin. Et on déroule du bas vers le haut jusqu'à se retrouver tout droit. Et de nouveau, perpendiculaire à son dossier, petite barquette. Hop Et on monte une jambe, on reste. Un. 2, 3, le pied à hauteur des mains, les mains à hauteur des épaules. 4, 5, respirez. 6, 7, 8, 9 et 10. Agrandissez-vous au plafond. Revenez bien assis sur votre chaise, genoux écartés au maximum. Inspirez souffler, on se laisse aller en avant, on reste bien planché en avant, genoux bien écartés au maximum et on déroule de bas en haut au niveau du dos Youpla. et c'est reparti pour une troisième barquette bras devant, on oblique en arrière on lève l'autre jambe et on reste 1, 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, on revient à nouveau assis à cheval sur sa chaise, genoux écartés au maximum, agrandissez-vous, soufflez, on descend jusqu'en bas, on pousse ses genoux en dehors. On reste un petit peu, quelques secondes, et on remonte jusqu'en haut. Inspirez. Et soufflez. Très bien, vous laissez vos genoux bien écartés. Voilà, surtout pas réveiller le fauve. Genoux bien écartés, les bras... Le long du corps, le long de la chaise, et je descends à gauche le plus bas possible, essayer d'effleurer le sol, et remonter jusqu'en haut mon petit fil qui me tire au-dessus de la tête, et on descend à droite. Restez bien que les deux épaules dans le même axe, l'une au-dessus de l'autre, et on remonte, bien monté, et gauche, et on revient. Deux. Et revenez à gauche. Restez bien assis avec les deux fesses sur votre chaise. À droite. Et gauche. Et quatre. Et gauche. Et cinq. On se demande ce qui se passe dans la tête des chiens parfois. Hein? Et six. Django a l'air de beaucoup apprécier cet exercice. Et sept. Et gauche. Gardez bien vos genoux en dehors. Ça vous permet aussi d'être stable. Je crois qu'on est à huit et gauche et neuf et gauche et dix. Très bien. Revenez. Hop Ah, il y a comme un arrêt sur image chez moi. J'espère que chez vous, ça continue à se à se diffuser. Les deux bras tendus devant, on met, on arrondit le dos en oblique, on repart en arrière en barquette, donc toujours perp assis perpendiculaire à son dossier, on monte une jambe, l'autre jambe et on tient la barquette. 1, on reste, 2, 3, Vincent, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Et on revient. Je vais juste vérifier pour être sûr que, que vous receviez toujours la diffusion. Je suis de retour dans une seconde. Et voilà, on réessaye. Ah ben non, l'image est toujours figée. À mon avis, j'ai mon ordinateur qui surchauffe un petit peu. J'espère que dans une seconde ou deux, ça va revenir. Comme retour, c'est pas de chance. Ah, voilà, c'est reparti apparemment. En tout cas, le son, vous l'avez. Donc, vous m'entendez, mais je pense que vous me voyez toujours penchée vers le sol. <laughs> ah, voilà, je suis de retour! Salut <laughs> Voilà, l'ordinateur a décidé de faire une pause aussi. Il s'écoute, voilà, tout va bien. Il, est, il respecte ses limites. <laughs> il a écouté les consignes. Voilà, heureusement, c'est reparti pour un tour. Donc, dernier exercice que j'ai fait avant que je me rende compte que vous n'étiez plus là. Bras tendus devant, en oblique en arrière. Je monte une jambe, l'autre jambe. Et je tiens, embarquette les deux pieds en l'air, si possible. Si vous tenez comme ça et que vous êtes à l'effort, super. Vous faites l'effort, c'est ça qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on revient, très bien. Inspirez profondément. Et soufflez. Impeccable! Vous pouvez vous lever, placer le dossier de votre chaise contre un meuble ou un canapé qui est bien stable et bien lourd pour éviter que votre chaise ne glisse en arrière ou ne bascule. Voilà, contre la couloir, c'est l'idéal. Placez vos mains à plat sur l'assise de la chaise, les épaules bien au-dessus des mains. Inspirez et soufflez. On met les pieds le plus possible en arrière et on est parti pour une jolie planche faciale et on tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez. Hop. Alors, la petite révérence. Les deux bras tendus sur le côté. Choup, choup, que vous voyez mes pieds. Je vais faire un petit pas à gauche. croiser très loin derrière. Pliez les deux genoux. Ça va, jambe gauche peut t'aider <laughs> Tu fais plus de bruit que moi. Pliez les deux genoux. Une petite insistance. Revenir pied écarté. L'autre genou, l'autre pied derrière. Et petite insistance. Croisez vraiment au maximum, histoire de solliciter votre bassin. Et... Gauche et droite et trois et quatre et cinq et tenez vos droits six et sept et huit. Et 9. Et 10. Très bien. Inspirez. Et c'est reparti pour une planche. Oui, oui, oui. Alors, comme le thème du jour, c'est à partir des hanches, depuis notre planche, nous allons croiser la jambe pliée en dessous. Donc, je, vous, je me mets de face comme si vous étiez au sol devant ma chaise. Donc, je plie ma jambe. Et je la croise du côté opposé. D'accord Donc, les épaules bien au-dessus des mains, les pieds le plus possible en arrière. Si vous ne tenez pas en planche, il vaut mieux avoir les fesses trop hauts que de creuser et de se faire mal au dos. Hein, D'accord Donc, on se tient bien avec un dos plat. Et 1, 2, 3. Bien les épaules au-dessus des mains. 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. Et on revient. Inspirez et soufflez. Encore une fois, inspirez, rentrez le bidou et soufflez. Très, très bien. Alors, vous pouvez ranger votre chaise et on va sortir notre petit tapis. Youps. Attention attention laloe vera, le tapis. Voilà. Je pense que si je me mets en oblique, c'est comme ça que vous verrez le mieux. Vous pouvez vous asseoir, jambes fléchies, les mains. Bien à plat au sol, les pieds écartés, la largeur des épaules à nouveau, les mains bien à plat, les doigts tournés vers vous ou légèrement vers l'extérieur. On lève le bassin et on pose le bassin au sol. C'est parti. Montez, rentrez le ventre. Posez, respirez. J'inspire et je souffle. Quatre et cinq et six sept et huit et neuf. Et 10. Très bien. Vous pouvez prendre vos petits coussins, les deux. Oups. Vous placez avec un genou sur chaque coussin, donc à quatre pattes. Placez vos avant-bras au sol. Vous risquez de moins solliciter le dos comme ça. Et vous allez doucement écarter les genoux. Surtout si vous avez un sol qui glisse, c'est très bien. C'est comme un grand écart facial, mais les jambes fléchies. Donc vous faites tous des angles droits entre votre tibia et votre cuisse, entre vos cuisses et votre corps. Évidemment, l'autre tibia et l'autre cuisse, pareil. Ok, on reste les genoux le plus possible écartés. Là, on est de nouveau sur le bassin. Un, deux, trois. 4, 5, 6, respirez, rentrez le ventre. 7, 8, 9 et 10. Très bien, ramenez les genoux. Et on peut à nouveau se placer sur le tapis. Couchez sur le dos. Les pieds à plat sur le sol, bras écartés en croix au sol, et laissez descendre vos deux genoux du côté gauche, et revenir. Essayez de bien laisser les deux épaules au sol, du côté droit les genoux, laissez-les pendre, laissez les pieds en place, et revenir. Laissez descendre les genoux à gauche. Ça tire dans la hanche, surtout du côté opposé où on descend les genoux. Et on revient central. Et laissez descendre vos genoux à droite. Et revenir à gauche. Laissez bien les pendre vos genoux. Revenir. Et à droite. Et revenir central. Je vais reculer légèrement mon petit tapis parce que je pense que vous me verrez mieux. Hop Voilà. Et je vais me mettre en oblique pour que vous voyez mieux l'exercice. Voilà. Alors, les deux jambes tendues au sol. Les bras sur le côté en croix, paume des mains vers le haut, dos des mains contre le sol. Je vais aller rejoindre ma main gauche avec mon pied droit et je reviens à ma position initiale. Mon pied gauche qui rejoint ma main droite et je reviens à ma position initiale. Allez-y doucement, ne vous faites pas mal au dos. On travaille à son aise, à son rythme. Allez, je donne un rythme moyen, libre à vous d'aller plus vite ou moins vite selon ce qui vous convient. Et trois. Et l'autre côté. Et quatre. Et l'autre côté. Et cinq. Et à droite. Et six. Et droite. Et sept. Et droite. Et huit. Et droite. Et neuf. Et droite à la dernière et 10 et droite, et on revient central. Les deux pieds sur le sol, jambes fléchies, les pieds. Parallèle, à peu près écarté de la largeur de la carrure, bras le long du corps cette fois. Et on imagine qu'on a un cactus qui pousse en dessous des fesses, on monte le bassin le plus haut possible et on tient, on reste. Ah oui, là vous sentez vos cuisses travaillent au niveau musculaire, mais vous travaillez aussi au niveau de l'extension de votre dos et de votre bassin. Deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9, et disposez le les fesses au sol à votre aise, très bien, allongez les deux bras au plafond au maximum, étirez-vous plus loin que la tête vers le mur au-dessus, 1, allongez-vous, 2, 3, 4, on allonge la jambe gauche au sol, la jambe droite, les pieds sont flex, et on pousse les talons à une extrémité de la pièce et les mains, le bout des ongles à l'autre extrémité de la pièce. On s'allonge, on rentre le ventre et on n'oublie pas de respirer. 1, 2, respirez. Trois, rentrez le ventre. 4, grandissez. 5, 6, allongez-vous. 7, 8, aussi bien en haut qu'en bas. 9 et au milieu et 10 très, très très bien. Vous pouvez placer vos mains sur le ventre. Si c'est plus confortable au niveau dorsal, vous pouvez plier les jambes, les deux genoux l'un contre l'autre. Ça permet de diminuer un petit peu le petit creux qu'on a au niveau du dos. Voilà. Mais si c'est plus confortable pour vous de vous relâcher avec les jambes tendues, n'hésitez pas à les laisser. Tendu au sol. Hop, voilà, petite musique de relaxation. Vous pouvez fermer les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Respirez de plus en plus calmement et régulièrement. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle calmement. au rythme de votre respiration. Tout votre corps se détend. À chaque expiration, vous sentez vos muscles se relâcher un peu plus. Toutes les tensions musculaires, nerveuses, s'évacuent dans le sol à travers chaque point de contact. Entre le corps et le sol, votre corps pèse de plus en plus lourd. Vous, vous sentez serein en sécurité. Fier de votre travail. Votre corps pèse de plus en plus lourd. Inspirez lentement et profondément. Et soufflez. Vous pouvez rouvrir les yeux. Inspirez profondément. Soufflez par la bouche. Couchez-vous lentement sur le côté, bras et jambes fléchis. Prenez appui sur vos mains et utilisez la jambe qui est au-dessus pour l'éloigner de vous et vous aider à faire balancer pour vous relever. Voilà, comme ça on sollicite un petit peu moins le dos et les reins. J'espère que cette petite séance de reprise vous a fait du bien. Alors, je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne YouTube à chaque fois qu'il y a un cours. Pour ça, le meilleur moyen, c'est de s'abonner. Donc, vous cliquez sur s'abonner juste en dessous. Vous cliquez sur la petite cloche pour avoir une notification chaque fois qu'il y a un nouveau cours. Plus vous mettez des pouces... Plus je suis facile à trouver sur YouTube, plus euh, quand quelqu'un cherche un cours de gym, c'est moi qui apparaît hop, en hauteur dans les, dans les listes. Alors, vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook de Gym à la maison. Là, on papote, on échange. Si jamais il y a une raison pour laquelle il y a un cours qui ne se donne pas ou quoi que ce soit, j'essaye de vous donner de mes nouvelles. Et vous pouvez aussi aller voir tous les cours sur Gym à la maison.net, donc sur le site internet Gym à la maison.net, facile. Je vous le remets. Hop Les promos. Voilà, les promos, pas le générique. Ah je fais des bêtises. Promo. Ça ne marche pas. Peut-être que je, je fais ça. Et puis ça. Ça n'a pas l'air. Ça ne passe qu'une fois. Voilà, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez retourner en arrière sur la vidéo à partir de demain, puisque de, dès demain, elle sera en en ligne en différé et donc là elle sera accessible. Vous pourrez regarder ça autant que vous voudrez. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Écoutez-vous. Respectez vos limites. Soyez prudent. Respectez les gestes barrières et compagnie. Faites-vous vacciner euh, si ça vous chante. Euh, moi, je le fais libre à chacun mais euh, voilà je pense que on est obligé de passer par là pour être euh, retrouver une vie euh, normale ou en tout cas quasi normale. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.